auras du succès, ne t'en vante pas et ne sois pas orgueilleux. Quand tu auras des échecs, ne te décourage pas et ne sois pas prétentieux. C'est par ce propos introductif que je vous souhaite infiniment la bienvenue dans cette somptueuse édition consacrée aux icônes de l'Afrique. Merci infiniment d'être des nôtres ce jour pour vivre encore une fois de plus cette belle aventure télé. Ça se passe ici avec un invité pas comme les autres, mesdames et messieurs. Malgré le succès qu'il a eu et qu'il continue d'avoir aujourd'hui, il est resté lui-même. Il n'a pas changé parce qu'il est très, très humble, toujours ouvert. Il est prêt à partager avec vous, chers jeunes, son parcours et qui inspire beaucoup de générations. Il fait partie de ceux qui ont donné l'envie aux gens de s'intéresser à l'humour. Il fait partie de ceux qui ont imposé respect et admiration aux humoristes. Il fait partie de ceux qui aujourd'hui, mesdames et messieurs, incarnent le respect, l'admiration, le travail bien fait, la simplicité et surtout la créativité. Il fait partie des meilleurs. J'ai souvent dit que si on classe les 5 meilleurs humoristes au Cameroun, il est le premier. Si on fait le top 50 en Afrique, il fait partie des 5 premiers. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir El Fenomeno Fingon Tralala, que voici. Bonjour Fingon. Bonjour Patrick. Très heureux de vous recevoir dans cette émission. Pareil, pareil. Déjà, je me sens comme à la maison, quoi. Ouais. Voilà, donc le plus souvent, je regarde comme tout le monde est à la maison. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis l'invité et j'espère que ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce que ça vous ferait si vous appelez Serge Tchami? Je comprends que c'est quelqu'un qui m'est proche parce que voilà, tous ceux qui me sont proches, c'est comme ça qu'ils m'appellent. Ouais. Aujourd'hui, il faut le dire quand même, c'est très important. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes le tout premier invité dans le domaine de l'humour et de la comédie dans cette émission? Depuis 5 ans que cette émission existe, on n'a jamais invité un humoriste ou un comédien. Vous êtes le premier invité dans ce domaine. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, dans chaque domaine, il y a toujours un premier. Hein. Ouais, ça c'est bon, vrai. J'ai eu l'amabilité d'être le premier. Ouais. Forcément, bon, voilà, après moi, d'autres viendront. Le plus important déjà, c'était que je puisse ouvrir le bal. Ouais, merci. Voilà. Alors, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Fingon Tralala, Serge Tchami de son nom. Parlez-nous de vos débuts dans l'humour. Parce que les gens aujourd'hui ne voient que le succès de Fingon. Mais ils ne savent pas que Fingon vient de très loin. Il a commencé quelque part. Alors, revenons sur vos débuts, s'il fallait. Mes débuts, c'est vrai que si on m'avait dit que je pouvais me nourrir de ce métier, je n'aurais pas cru parce que j'étais passionné du foot et de la musique. Et l'humour pour moi était juste pour amuser la galerie, mes amis au quartier, à l'école et tout. Par la grâce de Dieu, j'ai fait la connaissance de Safaria. Via qui je me suis rapproché auprès du président Diop, qui a trouvé ce talent brut que j'avais en moi. Et il m'a dit, voilà, je mettrai tout en œuvre pour t'apprendre les rouages de ce métier. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à considérer ce métier. J'ai commencé à comprendre que ce métier pouvait nourrir son homme via la manière que vivait Tchob et tout. Et je n'avais qu'un seul rêve, tout donner pour être le meilleur de ma génération, quoi. Il faut dire que Fingon n'est pas seulement entré dans l'humour, il a aussi commencé ses classes dans une école primaire, dans un établissement secondaire. Ouais, et c'est même là où vous avez commencé déjà à vous exercer à travers les conseils scolaires. Je suis né déjà avec ce virus d'humour parce que toute ma famille... Toute ma famille à la base, ils ont ce virus est en eux. Ouais. Sauf que j'ai été celui-là qui a pu en faire carrière, qui a pu faire carrière. Ouais. Parce que pour ceux qui connaissent ma défunte mère, dans son petit nom c'était Mamie Nyanga et tout. Ouais. Elle ne passait pas inaperçue, quoi. Donc dans des coins des deuils, funérailles, on aimait bien qu'elle soit là parce qu'elle mettait le show et tout. Et pareil pour ceux-là qui connaissent mes soeurs, mes frères, savent que voilà. Dans cette famille, ce virus existe depuis très longtemps. Super. Alors, Fingon, revenons sur vos débuts en carrière. À quel moment est-ce que vous avez commencé à avoir véritablement du succès dans ce domaine? Est-ce que c'était difficile quand même au début? Est-ce que c'était facile? Racontez-nous l'histoire de votre... Ça n'a pas du tout été facile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses commencent un peu à changer. Mais l'humour dans ce pays était considéré comme le dernier métier. Ouais. Que l'on peut faire. C'est vrai. Et, comme m'avait dit un jour quelqu'un qui disait après ce métier c'est le vol. Ouais. Voilà. ouais. Parce que rien qu'à voir, quand on voyait un humoriste, surtout qu'à l'époque on se déguisait, il fallait se déguiser. C'est nous qui sommes venus avec le style un peu fairy, sans toutefois être déguisé, avoir du gros ventre, machin, ceci. Et par la grâce de Dieu, voilà, les choses vraiment ont changé.
Mais sauf que l'humour n'a jamais eu la place qu'elle devrait avoir dans ce pays. Ce qui fait que quand on te voyait déguisé, que ce soit dans un cabaret ou à une fête, on te considérait comme mendiant. Ouais. On avait l'impression que c'est quelqu'un qui a tout perdu dans la vie. Voilà, il essaie de racketter et tout et tout. Mais sauf qu'il y a également eu des personnes qui réellement ne sont pas faites pour ce métier, mais qui s'est infiltré en effet, comme ce qu'on appelle naturellement virus, ouais. Qui s'est infiltré dans ce métier en se déguisant. Les imposteurs. Voilà, les imposteurs. Maintenant, comment on confond tout? Ouais. Tout ce qui était déguisé, on se dit c'est un humoriste. Humoriste, ouais. À peine, il n'a même pas commencé, il sort tout de suite le chapeau, il demande les pièces et tout ça. Maintenant, ça faisait ce qu'on considère tout le monde. Alors, il faut également revenir sur votre parcours dans l'univers médiatique. Parce qu'il faut rappeler que vous avez travaillé aux côtés de Maurice Banteke, de Regretter Mémoire. Ouais, le défunt. Voilà. Alors, racontez-nous votre aventure dans les médias. Bon, déjà, quand à un moment donné, je voulais faire carrière, après l'obtention de mon cap. Cap, ouais. Voilà, donc j'ai décidé, parce que je voyais les difficultés que ma maman avait pour nous envoyer à l'école et tout. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa qui était là. Ouais. La maman était obligée de jouer les deux rôles et tout. Et voilà, à un moment donné, j'ai dit vraiment, maman, je voudrais apaiser tes peines. Laisse-moi me jeter dans la vie active. Et comme ça n'a pas vraiment été ça dans le foot, moi, je voudrais vraiment faire carrière. J'ai commencé à fréquenter des cabarets. C'est comme ça qu'à une certaine heure, parce que dans des cabarets, si tu n'avais pas du courage et la détermination, tu craques ou tu abandonnes tout. Parce que tu viens à 23 heures, mais on te passe le micro à 5 heures, quand il restait un soulard, un soulard en salle. Donc celui-là même, c'est parce qu'il est fatigué, il ne sait pas rentrer. Il est là. Maintenant, quand les musiciens veulent emballer le matériel, ils disent que, oh, comédien, prends le micro aussi, viens faire ton, tu vois. Ça n'avait jamais été considéré, mais je n'ai jamais lâché, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que, grâce au défunt intendant, parce qu'il faut, j'ai vécu avec lui dans la même maison, comme il vivait à la maison familiale, il avait accepté, puisque ma famille n'avait jamais accepté que je fasse de ce métier, que je fasse carrière, que je me lance réellement dans ce métier. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais les aînés qui me disaient non, tant que tu feras ce métier, vraiment, on ne te considère plus dans cette famille. C'est comme ça que j'ai dû quitter donc la maison, je suis allé vivre avec le défunt intendant et tout. Et lui, déjà, il était plus avancé dans la chose. Et lui, avec Job, ils avaient fait les premiers pas déjà dans des chaînes de télé. C'était la CIA TV à l'époque. Il faisait une émission Tempo avec Feu Abanda Joker et tout. Mais non, à Douala, il y avait une émission que faisait le défunt Maurice Banteke. J'ai oublié, c'était le samedi. Alors, intendant, il faisait la rubrique humour. Je peux te dire, Patrick, je suis allé peut-être sur 6 mois, je n'avais jamais placé une phrase. Waouh! Mais le plus important pour moi, ce n'était pas le fait que je ne puisse pas placer une phrase, mais c'était de regarder, d'apprendre et de comprendre. Et je crois que je ne regrette pas cette aventure parce que un jour, on m'a dit, montre-nous ce que tu sais faire. Et c'est où j'ai saisi l'opportunité et dès lors, on ne m'a plus jamais, on m'a toujours donné la possibilité. On n'a plus jamais douté de vous, quoi. Oui, il n'a plus jamais douté de moi. Non. À chaque fois que je venais, il me disait, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé faire aujourd'hui et tout. Et c'est comme ça que j'ai dû prendre goût de la chose. Et après cela, on a dû mettre sur pied la première chaîne de radio privée, je crois. RTM. Du feu Tom Jones. Ouais. Voilà. Et vraiment, ce monsieur, des personnes professionnelles que j'ai rencontrées, il en fait partie vraiment parce que c'était quelqu'un d'extrêmement bien et vraiment, 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 c'est un blanc en fait. Oui, il vous a marqué. Ouais. Et quand il m'a donné l'opportunité, il m'a dit, ok, de l'autre côté, tu allais dans l'émission de quelqu'un faire des petits trucs. Maintenant, propose-moi quelque chose. C'est comme ça que j'ai dû mettre sur pied l'émission Tempête sur la Cité, qui passait à partir de 18h. En 2001, oui. Voilà, où autour de moi, j'avais une équipe, Cogne Tendance, Popinac, aujourd'hui à Londres, Moussa Jean Calagan, et on a dû lancer l'émission Tempête sur la Cité, que après beaucoup d'autres chaînes de radio ont copié et tout. Et c'est à partir de cette émission Tempête sur la Cité que m'est venue l'idée de l'émission Clic au Clac que je faisais à Canal 2, où j'imitais des artistes et tout. Donc, et avec cette émission, j'ai remporté beaucoup de prix. Et vraiment, bref, cela fut une très belle aventure. Alors, il faut rappeler
que ça c'est ce qu'on n'oublie pas également, que tu as fait des duos avec Tani Kondom, parce que c'est celui avec qui on t'a beaucoup le plus remarqué dans les duos. Oui, oui, avec Tani Kondom. Sur Canada toujours. Sur Canada international, voilà. Et tout. Et il faut reconnaître que quand on commençait, on ne savait même pas réellement ce qu'on faisait. On se disait, on se jette quoi. Ouais. Qu'on puisse, on se jette, on se jette dans l'eau comme ça. Voilà. Voilà, on se jette à l'eau et on voit ce que ça va donner. Et Tani aujourd'hui est considéré pas comme un ami pour moi, c'est un frère quoi. Voilà. C'est vrai que bon, aujourd'hui, à cause de nos différents concepts, on se voit de moins en moins. Ouais. Mais quand l'occasion permet à ce qu'on se voie, on peut se voir en deux heures. On parle de ce qu'on n'a pas pu parler pendant deux ans, trois ans et tout quoi. Tout à fait. Donc, mais on essaie de prendre des nouvelles à chaque fois que l'occasion permet quoi. Alors, Fingo Tralala, après avoir marqué les cœurs, parce que il faut dire que tu as travaillé avec président Chop Chop également, ouais, avec Safaria, avec Safaria, qu'on a fait beaucoup de belles choses d'ailleurs. Et ensemble, voilà. Ouais. Et puis il faut dire qu'après ça, tu décides de marquer un temps d'arrêt en 2007. Tu décides d'aller en Europe, en aventure, question d'expérimenter un peu l'aventure, comment ça se passe. Ouais, ben, voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé exactement à quitter le Cameroun? Ben, je vais, en effet, j'ai vu les conditions dans lesquelles des aînés sont partis parce que ces conditions étaient déplorables. À un moment donné, tu n'es pas fort, tu craques. Ouais. Tu te dis pourquoi j'ai choisi faire ce métier. Est-ce que c'est parce que ce métier n'est pas respecté au Cameroun et tout? Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été subventionné par le ministère. Ouais. Dans tout ce que je dois. Du début de ma carrière jusqu'ici. Wow. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne devrais plus aller faire des courbettes. Aujourd'hui, je mérite quand même un petit respect que le ministère puisse m'appeler. Parce qu'il y a un budget qui est... Et même une décoration. Voilà. Tu décides donc justement de partir en Europe. Mais non, quand je décide de partir en Europe, c'était pour une tournée. Parce qu'il faut reconnaître que les premiers, c'est-à-dire il n'y a que Fingon et Tani qui ont quitté l'Europe pour aller pour une tournée. Quitter le Cameroun, tu veux dire? Qui ont quitté le Cameroun autant pour moi, pour aller en Europe pour une tournée. Il n'y avait que des musiciens qui faisaient cela. Ouais. Nous sommes allés, première intention, c'était de caler. Mais quand on a vu ceux qui ont pris la même décision que nos des aînés, qui ne font pas forcément dans l'humour, qui font dans la musique, quand on a vu les conditions dans lesquelles ils vivent là-bas, on s'est dit, hey, on va tenir, on va tenir. C'est comme ça qu'on prend la décision de rentrer. Après maintenant, on demande notre visa, on nous accorde, on dit mais on devait aller caler pourquoi? Il fallait. Maintenant moi, j'ai pensé qu'à un moment donné, je puisse avoir une base en Europe. Parce que vous connaissez les conditions dans lesquelles nous vivons ici, la santé et tout. Bon, je me suis dit que bon voilà, il faudrait que je m'arrange de telle en sorte que même si c'est chaud, au lieu de me passer à la télé, dire SOS machin, mais tu vas me cacher là-bas parce que ça c'est le seul pays où on fait honte à l'artiste. On passe l'artiste à la télé. Ou sur des raisons du SOS pour tel artiste, alors qu'on peut aider cet artiste sans toutefois le présenter aux yeux du monde qui souffre. Ouais. Parce que quand vous passez à la télé, vous passez dans des réseaux, vous faites rêver des gens. Mais quand des gens que vous avez fait rêver, vous voyez dans de telles conditions, c'est déplorable. Quoi. Ouais. Et alors, c'est comme ça que je suis allé après études. Je me suis dit, c'est la Belgique qui était mieux pour moi. À l'époque, je suis venu, j'ai pris ma compagne, ma copine, et c'est comme ça que nous sommes allés. Et j'ai dit, bon, toi, il faut. Toujours une Camerounaise? Oui, une Camerounaise. Ouais. Toi, tu dois être ici, moi, je fais les navettes. Mais sauf que venir en Europe pour un séjour rentré et venir en Europe vivre, c'est deux mondes différents. Ouais. C'est pendant cette période que j'ai traversé tellement de choses où, à un moment donné, j'ai dû retourner. Après près de trois ans, j'ai dû retourner. C'est quand je reviens que je mets sur pied les palapas, les lions m'enfants. C'était la même période et tout, tu vois. Et après près d'un an, je suis remonté en Europe. Déjà, ce n'était pas bien entre elle et moi, ma chaîne, ceci et tout. Ben, c'est les conditions d'Europe. Hein. Et c'est comme ça qu'après un moment donné, je n'en pouvais plus. Il a fallu qu'on essaie de s'éloigner et tout. Et maintenant, il fallait que je reparte à zéro, que je puisse reconstruire tout ce que j'ai pu mettre sur pied, que j'ai pu bâtir avec elle, il fallait que je reprenne tout. Ce n'était pas facile quoi. Ouais. Ça n'a pas été facile, j'ai failli craquer. Voilà pourquoi je voudrais profiter de cette émission pour remercier des personnes, quelqu'un vraiment qui m'est cher, qui m'a soutenu pendant cette période-là. C'est qui ça? Ngassi Valère,
Ngassi Valère, vraiment, qui a été là et qui m'a dit, tu ne peux pas craquer tant que je suis dans ce pays. Et grâce à lui, c'est comme ça que j'ai pu remonter la pente. Et comme Dieu ne peut pas nourrir les oiseaux du ciel et laisser les hommes, il m'a fait tomber, je vous dirais, une manne, la manne du ciel. Qui n'est autre que... Votre actuelle épouse. Ngathieu Flore. Voilà. Votre actuelle épouse, c'est ça? Oui, oh, vous aviez vu. Ouais. Voilà, Ngathieu Flore. Et voilà. Ouais. C'est vrai qu'avec sa venue, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai pu retrouver un équilibre. Et c'est cet équilibre qui a dû permettre à ce que je puisse regagner confiance et revenir en héros au Cameroun. Et même relancer votre carrière. Et relancer ma carrière. Ouais. Pour être où je suis et ce que je suis, quoi. Ouais. Ça commence à changer. Parce que jusqu'ici, si je te dis qu'on donne ce que nous méritons vraiment, je te dirais que c'est faux. Ouais. Mais c'est mieux qu'avant. Qu'avant. Parce qu'avant, je vais te dire, on travaillait pour des chaînes de radio, télé, pour des prix de catéchistes. Ouais. Que des fois, nous, tu accumulais 3 mois, 4 mois de salaire impayé. Et tu te fâches, on te chasse. Tu travailles dans des conditions précaires, tu n'es affilié nulle part et tout. Si un câble te frappe, ça te regarde, ton problème est ta famille et tout quoi. Tu vois des risques, des énormes risques qu'on prenait et tout. Et voilà, moi je pense que aujourd'hui avec ce que je produis, si les mégas que chaque Camerounais ou Africain utilisait pour regarder à longueur de journée ce que je produis, forcément il y a ceux-là qui achètent des mégas à MTN, Orange, Camtel, qui regardent mes choses en longueur de journée et qui leur coûtent 1000 francs, 2000, 1500. Sauf que dans ça, moi, je n'ai rien. Si je gagnais ne serait-ce que 100 francs. Quel paradoxe. Si je gagnais ne serait-ce que 100 francs, je serais loin aujourd'hui. C'est que je pouvais avoir la possibilité de réellement payer des gens avec qui je travaille, des enfants avec qui qui m'entourent. Oh, c'est le contraire, on a l'impression que vous êtes devenu très riche grâce à l'humour. Non, on a l'impression, ce n'est pas encore le cas. Okay. Mais c'est ce que je mérite, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est ce que je mérite. Je méritais à ce que, dans des mégas que des gens utilisent pour rendre ce genre multimilliardaire, pour regarder mes créations, parce que je passe des nuits sans dormir. Ouais. Je passe carrément 4 jours, je ne dors pas. À travailler, jusqu'à même travailler le jeu d'acteur des mégas. Parce qu'à la base, mes gars ne prévoient rien. Tous ces personnages ne prévoient rien. C'est-à-dire, c'est moi qui dis, toi, dans tel couloir, voilà ce que tu feras. Ouais. Et je suis obligé même de veiller sur le jeu. Wow. Quand ceci, tu fais quoi que ça, je dis, non, reprenez. Tu es censé dire ceci ici. Et voilà comment je fabrique tout ce genre-là, en fait. Super. D'aucuns, même ceux qui n'existaient pas, vont concocter des histoires pour vous déstabiliser, des histoires pour vous détruire et tout. Il faut retenir une chose, les meilleures personnes qui nous trahissent, c'est des gens à qui on donne le plus confiance. C'est tous ces jeunes-là, ces enfants-là, filles comme garçons, hein, parce que je n'ai pas vous dit ce que j'endure au quotidien au sein de mon écurie, ce que j'ai déjà dû recevoir comme balle depuis que je suis dans ce métier. Professionnellement parlant, mais je n'ai jamais lâché, je n'ai jamais craqué. Je me dis, Seigneur, c'est toi qui sais ce que je mérite. Si c'est parce que j'ai voulu permettre que telle personne puisse avoir une petite place dans ce métier et que je mérite ça, parle pour moi. Voilà pour comment je sors toujours vainqueur et par sa grâce, je lui dis merci au quotidien et voilà. Alors, s'il fallait parler rapidement de ceux qui vous ont soutenu, peut-être leur dire merci. Quelques-unes, ces personnes? Des personnes qui me soutiennent, je ferai d'abord un big up à... Il y a mes jeunes frères footballeurs, il y a Benjamin Mukanjo, il y a Nicolas Nkolo. Le champion d'Afrique, Benjamin Mukanjo. Voilà, le champion d'Afrique, celui grâce à qui on a pu obtenir la 4e étoile. Ouais. Voilà, parce qu'il n'est plus au capi. Et je n'oublie pas le 3, Nkolo. Voilà, Njom David, Elvis Kemwe. Et il y a un papa que je voudrais remercier, Papa Molongo Oscar. Je voudrais également remercier un papa. C'était la première personne à me faire confiance, me remettre 150 000 que va te battre. Ouais. Malheureusement, il n'existe plus, il ne vit plus. Papa Boss Game Center, que ton âme repose en paix. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Super. C'est ce que j'essaie aujourd'hui
de faire envers ceux-là qui viennent vers moi et qui veulent partager mon expérience et s'offrir une petite place dans ce métier. Alors, nous sommes là, rapidement, on va parler de vos différentes distinctions. Il faut dire que vous êtes le plus titré déjà de votre génération. Ouais. Vous avez beaucoup de titres, je vais dire de prix. Vous avez reçu beaucoup de prix, ouais. Beaucoup de distinctions. Ouais. Déjà en 2001, 2002, vous rappelez en deux années consécutives le prix de l'excellence africain, ouais. et le groupe TV+, l'invite de suite à la construction et la valorisation d'une chaîne de télévision privée Canal 2. Ouais. En 2003, tu vous recevez le prix du meilleur humoriste RTS, ouais. Et votre troisième prix de l'excellence africain. Dans la même catégorie, meilleur humoriste, six mois après, vous êtes sollicité comme tête d'affiche dans le long métrage version vidéo Moukouanya. Ouais, là, voilà. Ouais, produit par Manolap. Ouais. En 2004, le groupe Quattro du Riz produit un nouvel album, Hommage à Tandandan, ouais, et Fingontralala, ouais. Avec le soutien de Safista, ouais. Crée un nouveau concept d'émission Tempête sur la cité. Ouais. Alors, maintenant, il faut rapidement, on va dire que sur Canal de Toujours, en 2005, vous recevez le prix Canal d'Or, ouais. Meilleur comédien de l'année. Ouais, ouais. En 2006, Fingontralala reçoit plusieurs autres distinctions et récompenses telles que les Oscars d'argent, ouais, ouais. Etc. et des diplômes d'honneur. Ouais. En 2006, vous remplissez des grandes salles du Cameroun et vous êtes très sollicité dans plusieurs pays africains, ouais. Avec une production alléchante de Message of God. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs prix. Peut-être j'ai oublié quelques-uns. Oui, il y a meilleur comédien de la diaspora, j'ai reçu en France, ouais. Et en Suisse et en Allemagne également. Ouais, ouais. Voilà, il faut retenir que lors de mon passage en Allemagne, je crois que c'était la première fois que le challenge puisse se déporter pour Stuttgart, ouais. Où j'ai fait une prestation de ouf. Vous pouvez aller regarder aujourd'hui sur YouTube. Et voilà, après ça, j'ai été décoré par des ingénieurs, comme on les appelle là-bas, ouais. Comme le meilleur artiste humoriste de tous les temps. Quoi. Ouais. Alors, Fingon, quand vous regardez votre carrière, ouais. Avec tous ces prix, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Ça me fait chaud au cœur, ça me fait croire en ce métier que même si jusqu'ici je ne gagne pas encore ce que je mérite, j'ai espoir qu'un jour les choses viendront, que ça va venir, ça va venir. Même si ce ne sera pas, ce sera quand je ne suis plus là, mais j'aurai quand même abattu un grand boulot pour permettre à ceux qui viendront après moi de gagner véritablement leur vie dans ce métier. Parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où, bon voilà, c'est le Christ qui a fait des sacrifices pour nous. Mais il n'a pas autant savouré ce monde comme nous. Voilà, je me dis qu'en quelque sorte, je suis comme un Christ dans ce métier. Ouais. Et voilà. C'est vrai qu'avant de débuter cette émission, j'ai voulu vous conditionner comme quoi, si vous ne devez pas me faire rire parce que ça peut me distraire, mais finalement, vous m'avez fait beaucoup rire. C'est naturel. C'est elle phénomène, non. Alors, Fingon, ouais. On veut déjà sortir de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez directement de cette émission Icône d'Afrique depuis 5 ans essaye à son niveau de rendre hommage aux personnes comme vous qui se demandent dans leur domaine de prédilection et qui font bouger l'Afrique. Vraiment, je tiens déjà à te tirer un grand coup de chapeau, Patrick Agi, parce que personnellement, j'ai vu tes débuts. Ouais. Il faut avouer que lors de l'organisation de certaines de mes prestations, c'est toi qui me disais, bon voilà, pour telle intervention dans telle chaîne, c'est moi qui ira. Ouais. J'ai vu la hargne et la détermination que merci. Tu avais merci. Pour t'imposer dans ce métier. Ouais. Tu vois que Dieu n'oublie personne et vraiment bravo, bravo. Tu as de l'expérience, tu as tout de l'avenir devant toi. Et sache qu'aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Demain, ne sois pas surpris que tu puisses être en train d'aller intervenir des chefs d'État du côté des États-Unis. Merci. Et alors, surtout, ne cède pas à la facilité. Dis-toi que le sacrifice, c'est ta vraie arme. La sueur, c'est ta hargne et ta détermination. Donc, ne lâche jamais, sois un croc. Super. Et en ce qui concerne l'émission, en lui-même, vraiment, c'est un très bon concept. Je vois des jeunes qui t'entourent, je vois des efforts et tout. J'ai vu des difficultés techniques et tout ça. Mais le plus important au finish, c'est que nous puissions atteindre le bout et ce qu'on a pu faire. Quoi. Merci. Alors, Fingon, on va, avant de sortir, faites-nous un petit truc là, au public, pour leur faire comprendre qu'en fait, même naturellement comme ça, vous pouvez leur donner envie de rire. Allez, un petit truc au public. Le petit truc, c'est que payez vos impôts. Si vous ne pouvez pas payer vos impôts, sachez jongler vos impôts. Mais dans la vie, un homme averti, il en vaut la peine. Parce que j'ai voulu mettre ma femme face à une épreuve pour voir son degré d'amour. Parce qu'après 5 ans de relation, 5 ans en couple, j'ai voulu savoir si ma femme me trompe. J'ai dit, elle me dit, ah, tu me trompes. Elle dit, je ne peux pas te tromper. J'ai dit, ok. J'ai vu un marabout qui a dit que
Il faudrait que toi et moi, on fasse une épreuve. Si l'un ou l'autre trompe l'autre, elle me dit lequel. Il m'a dit qu'on nage dans un immeuble, 30 niveaux. On prie, on saute. Dans l'espace, si un de nous trompe l'autre, il meurt. Celui qui ne trompe pas va vivre. Ma femme dit, hey, allons alors, allons. J'ai dit, toi-même, choisis l'immeuble. Elle est allée à Bonanjo, choisis l'immeuble. On a choisi un jour, un dimanche. Le dimanche, le Christ est éveillé, il ne dort pas. On part monter sur l'immeuble. Je dis, chérie, prions, on prie. Mais, compte à quatre, on saute. Aïe. C'est ma femme qui compte. Oh. Un, deux, trois, à quatre, j'ai plongé. En plongeant, j'ai fermé les yeux. Je cherchais ma femme dans l'espace, je ne vois pas. J'ouvre mes yeux, vois que je suis dans l'espace seul. Je tourne ma tête, je dis, tu fais encore quoi là-bas? Elle dit, on ne m'a pas accouché pour toi, mets en paix. Moi-même, j'ai tiré mon parachute, j'ai dit, je t'attends en bas, j'avais le parachute. J'ai dit, je t'attends en bas. C'est comme ça que je suis sain et sauf. Dans la vie, il faut être un homme préventif. Fais confiance à son ombre, c'est un danger. Ah oui, c'est un danger. Merci, Pigotin Lala. Alors, avant de sortir, nous vous disons infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. On va partir. Mais avant de partir, vous allez dire au revoir à travers un conseil. Vous allez adresser un message de fin à toute la jeunesse africaine en général qui vous regarde et à toute la jeunesse camerounaise, en particulier à l'instant dans l'émission Écho d'Afrique, en regardant tout droit vers votre caméra. Un message de fin. Ce que je dirais à certains jeunes, pas seulement ceux du Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup de jeunes sont plongés dans la facilité, dans le découragement, dans la boisson, parce qu'ils ont estimé, un temps soit peu, qu'il était tard. Je sais que vous êtes nombreux à avoir du génie. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des diplômes, mais sans emploi. Mais mes frères, ne craquez jamais, n'abandonnez jamais. Ce n'est pas parce qu'on a essayé deux ou trois entreprises et on n'a pas été retenu qu'on ne peut pas s'essayer dans l'hôtellerie. Il faut penser à faire autre chose. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Si on m'avait dit que cet humour aujourd'hui devait faire de moi l'homme que je suis, je ne devrais pas croire. À la base, ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais non. Comme pour vous dire, n'attendez jamais le bonheur. Allez vers le bonheur, suivez le bonheur. Car dans chaque métier, dans chaque corps de métier qu'on fait dans la vie, quand on essaie de s'appliquer et faire bien, on finit par sortir de l'eau. Arrêtez la drogue pour ceux qui en prennent, l'alcool abusif, des produits toxiques, mettez-vous au travail. Car la fierté d'un parent, ce sera de voir sa progéniture lui rendre l'ascenseur et dire merci pour ce que les parents ont dû faire pour lui. Et alors, les gars, dans chaque corps de métier que vous faites, ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais, car Dieu a un plan pour tous. Et il n'est jamais trop tard. Merci. Voilà. Merci infiniment, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir d'avoir célébré cette valeureuse icône dans l'humour et la comédie avec vous. J'espère que vous avez tiré votre épingle du jeu. Vous savez, j'ai souvent coutume de le dire, la vie est une affaire de choisir et de payer le prix plus tard. Pour vous qui avez donc choisi de regarder cette émission, j'espère que cette émission vous a apporté un plus à travers les conseils de notre invité et à travers son brillant parcours, parce qu'aujourd'hui en Afrique, il compte parmi les meilleurs. Mesdames et messieurs, envolez-vous si vous pouvez. Est-ce que je pouvais placer un truc? Allez-y. Je voudrais dire en ceux-là qui attendent le dernier spectacle de Figon Tralala, j'attends qu'officiellement on puisse lever les mesures barrières afin que je puisse vous livrer ce spectacle tant attendu avec mon écurie et un plateau de ouf. Pour ceux qui avaient acheté des billets avant qu'on ne puisse interdire les manifestations, gardez soigneusement vos tickets, car ce ticket vont permettre à ce que vous puissiez avoir accès à ce nouveau spectacle. Super, super. Envolez-vous si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas vous envoler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Au cas contraire, rompez. De Martin Luther King, je suis Patrice Kaji, citoyen du monde, fils de la nation. Au revoir. Non, mais c'est une bonne émission parce que vous savez, les valeurs au Cameroun, on les oublie très vite. Dès que vous n'êtes plus en activité, on ne vous connaît plus. Dès que vous n'êtes plus en activité, on ne vous connaît plus. Donc, je crois que
C'est bien de parler de ses valeurs et bien de parler de même. C'est une très belle initiative d'ailleurs, ça permet de se rapprocher un peu de ces gens-là, je pense que c'est très important. Et je suis plutôt très flattée et honorée d'en faire partie, hein, parce que on se dit toujours c'est pour les autres, on ne se dit jamais que ça viendra un jour vers nous. Donc, belle émission, parce qu'en général, les gens se contentent plutôt à dénigrer que de montrer les valeurs des personnes, de l'Africain. Et vraiment bravo à vous. Bravo à vous, bravo à votre équipe technique là. Et voilà. Si vous contribuez d'une façon ou d'une autre à l'édification de cette jeunesse, je pense que votre vie est très utile. C'est une émission pilotée par le réalisateur Robin Bakop. Ils sont nombreux, ce sont des jeunes.